Hello! J'ai même pas eu le temps de me coiffer, attendez, je mets mon chapeau. Du coup, le programme, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Parce que samedi, on a fait un concert. Et vous savez quoi? Alors le concert, le but, bah justement, il y a l'affiche là encore. Et ça s'est bien passé, c'était cool. Le concert, le but du concert, c'était de retrouver Pixel Kid. Alors sachez, je vous le dis déjà d'avance que j'ai pas beaucoup à progresser. Mais je pense que faut être patient, ça va porter ses fruits. Vous m'avez donné d'autres idées, j'en parle juste après. Mais par contre, vous savez ce qui s'est passé? Attendez, je vous mets la photo. Vous avez vu? J'ai pris une photo, il y avait quelqu'un qui m'attendait à la sortie du concert pour prendre une photo avec moi. On a pris cette photo-là. Bon, j'ai un peu les doigts dans le cadre. Je me sers pas souvent d'appareil photo. Du coup, ouais, je me suis un peu foirée. Mais c'est pas grave, je la trouve rigolote cette photo, voilà. Je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié de lui demander comment il s'appelait. Jut. Parce qu'elle était vachement sympa. Moi, je veux bien être copain avec elle. On va espérer la recroiser. Ça se trouve, c'est quelqu'un du quartier. Je sais pas si c'est la première fois que je l'ai vu, je le voyais. Parce que je suis pas très douée pour retrouver des gens. On va croiser les doigts. Peut-être qu'on la reverra un jour. Mais en tout cas, ouais, très sympa, très sympa. Très gentil, très rigolo. Avec des belles antennes. Je suis jalouse des antennes. Moi, je suis pas de la bonne espèce pour avoir des antennes. Ça, c'est les Seahorseling. Ça s'écrit comme ça, vous connaissez peut-être pas le mot. Les Inkling, comme moi, on n'a pas d'antenne. On a des tentacules. On a beaucoup de tentacules, si on veut. Hop. Ça, c'est le max que je peux avoir de tentacules. Là, j'ai tous mes tentacules. Ouais, mais on n'a pas d'antenne. Et même quand je mets mes cornes, les cornes, ça compte pas comme des antennes. Et bah apparemment, vous avez des émotes avec elle, déjà. Si jamais un jour je la recroise, il faudra vraiment que je lui demande son prénom, quand même. Parce que j'ai cru comprendre que vous la surnommiez Tite Kid. Je comprends pas trop pourquoi, mais c'est rigolo. Sinon, autre chose que je voulais discuter aujourd'hui, c'est que bah, vous pouvez voir que la construction de la ville avance pas très vite. Et je me suis dit, c'est beaucoup en même temps à reconstruire. Je sais pas trop exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un gros tremblement de terre et ça a tout cassé. Mais du coup, je pense que je vais mettre la main à la pâte aussi. Du coup, j'ai trouvé le jeu parfait pour faire ça. Ça s'appelle Aquatico. Et alors, j'ai pas acheté le jeu, du coup, c'est juste la démo. Que j'ai pas de sous. Comme ça. Oui, et alors, du coup, vous pouvez voir aussi, parce que je l'ai pas mis dans l'autre overlay, c'était un peu con. Qu'on est à 38 sur 40 subs sur le sub goal. Mais le sub goal, en fait, on sait pas exactement qu'est-ce que c'est le goal. Sauf que j'ai une idée, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Allez, je peux pas me cadrer en grand. Ah! Ouais, vous savez quoi? Et mon idée, c'est que j'ai compilé la liste des trucs que vous m'avez dit qu'elle aimait bien. Donc d'après ce que j'ai compris, elle aime bien les chapeaux, elle aime bien les blobfish et elle aime bien le café. Et donc on s'était dit peut-être on peut l'attirer avec du café ou un truc comme ça. Mais le problème c'est où est-ce qu'on l'attire? Et bien du coup, moi j'ai beaucoup réfléchi et je veux l'attirer vers moi. C'est simple comme réponse, hein, mais j'ai dû réfléchir pour la trouver. Et donc, et si on me mettait des blobfish et du café et des chapeaux sur moi? Mais genre on fait une pile de ça sur moi. Je pense que ça peut marcher. Du coup, ça va être ça le sub cool. Et du coup, vous pourrez envoyer du café, envoyer des chapeaux et envoyer des blobfish sur moi. Ça me paraît un bon plan. Hein. Qu'est-ce qu'elle aime d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans la liste? Et vous avez un bateau? Oh, ça va faire mal de se prendre un bateau sur la poire. Bah, je vais mettre ça, d'accord. Aïe. Des waifus Osbando? Ah ouais, elle aime qui? C'est qui sa waifu Osbando? Tu crois? Oh, c'est quelqu'un qui a très bon goût, Pixel Kid. Quelqu'un de qualité. D'ailleurs, vous trouvez pas que il y a un peu une ressemblance? J'avoue, j'étais un peu timide du coup. C'est quelqu'un de très très joli et très très gentil. Je connais juste pas son nom. Ça met du temps à charger, mais je me dis en fait c'est parce que j'ai pas cliqué sur le jeu. Attendez, je coupe la musique de YouTube. Peut-être je me mets un peu en plus petit. Ou alors, non, je trouve que c'est un concept de jouer comme ça. Alors, donc, ce jeu, je vais enfin me cacher. Ce jeu, du coup, en fait, on va construire une colonie sous-marine. Et du coup, je suis sûre que ça va aider parce que, bah, techniquement, la ville, elle est... on sait pas trop si c'est sous-marin ou si c'est sur-marin. C'est un peu des deux. Je me suis jamais posé la question de si je respirais de l'air ou si je respirais de l'eau. Bon bref, comment on appelle notre colonie sous-marine? Bah on va l'appeler la Pixel Tagne. Résident 2 sur 12, oh waouh.
On va laisser comme ça. Minerai moyen, événement normal, catastrophe normale. Oh merde, il peut y avoir des catastrophes. Oh, attendez. But the stars had other plans for us. The waves. We will find a new home. And you will be there to build it. Ouais, on va reconstruire. Choisissez un emplacement pour construire la base sous-marine. Zone riche en minerais quand c'est gris. Attendez, on va essayer de se mettre dans un endroit. Un peu de tout. Zone radioactive, c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre à côté de la zone radioactive. Ça fait un peu penser à Subnautica. Oui, bah c'est sous l'eau quoi, ça a l'air d'être le même genre de technologie aussi. Bienvenue, diriger une colonie sous-marine n'est pas une mince affaire, mais la nouvelle Atlantide a foi en vous. Faites rayonner notre civilisation et redonner de l'espoir à l'humanité, elle en a besoin. J'ai désolé de te l'apprendre le jeu, mais l'humanité, il lui est arrivé des malheurs il y a 200 ans en fait. On n'est plus des humains maintenant, mais bon, on va faire genre. Ça, c'est un jeu qui date de l'époque des humains, c'est pour ça. Les niveaux d'électricité, de pétrole, de carburant, d'oxygène sont cruciaux au bon fonctionnement de la colonie. Ils sont transportés via les pipelines connectés, les pipelines connectés entre les bâtiments de production et les dômes. Ah bah on a rien du tout. Un lieu réservé aux cueilleurs récoltant de la faune marine comestible telle que les moules, les limaces et les concombres de mer. Ah bah eux, ils sont des gens de goût. Ils mangent des limaces, c'est bien ça. Le tutoriel se poursuivra à la fin de la construction. Ok, vas-y, construis plus vite que ça. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Mais comment ça se fait qu'on me... Eh, ce jeu, il va vachement nous aider à reconstruire la ville parce que putain, on n'allait pas si vite que ça jusque là. Certains bâtiments doivent être connectés via des pipelines afin de fonctionner. Les pipelines servent à acheminer le pétrole brut, le carburant, l'électricité, l'oxygène. Ok, comment on fait des tubes? Tube, tube. Tube, tube. Le sub-goal. Ah, le sub-goal, il est atteint. Bon bah, je vais essayer de fabriquer ça pour le prochain stream. Prochain stream, c'est... On est 4 jours, on est jeudi. Prochain stream c'est demain, du coup c'est peut-être un peu chaud comme timing, je vais essayer. Et j'ai peut-être le temps de le faire aujourd'hui. C'est juste il nous faut une liste complète, donc on a des les blobfish, le café, les chapeaux. Faut plusieurs types de chapeaux, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Sucrose. Les bateaux. N'est pas obligé le bateau mais j'ai envie que tu aies mal. Hein? Quoi? C'est violent, dis donc! Je te pensais pas comme ça, Eldanaï! Je pensais que t'étais gentille! Que tu voulais pas faire souffrir les gens! Oh! Je suis choquée! Oh! On va me faire souffrir! Des bottes! Oh, il aime bien les bottes! Ok, d'accord. C'est marrant parce qu'elle a pas de pied. Ah zut, il faut une pipeline encore. Pourquoi il faut une pipeline? Une pipeline de où à où? Je suis encore bloquée à cause de la pipeline, c'est ça que t'es en train de me dire. On va essayer de faire une pipeline. Est-ce qu'on peut tourner avec la pipeline? Les pipelines! Voilà, faut la mettre jusque là-bas. Oh. Non. Et quoi avec la pipeline? Hein? Il est dur à comprendre ce jeu, hein? Il fait froid d'un coup! Oh, je m'étais pas rendu compte! Waouh! J'étais tellement concentrée! J'en ai perdu mes cheveux et puis ils sont réapparus après. Ça dure pas longtemps, mais c'est drôle. Bah, bah non, encore heureux, t'imagines, attends, le rhume de cerveau. Sinon, eh oh. Poup, 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 poup. Pipeline hors service, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a un trou! On n'a pas encore réparé la ville, qu'elle est déjà cassée! On va construire une nouvelle pipeline. Machine pour un pipeline. Pipeline. Oh, je peux changer la couleur. On peut me la mettre rose et violet et vert. Oh ouais, trop beau. Appliqué à tous. Oh, toute la ville elle est violette. Ah, ça ressemble vachement plus à notre ville du coup. Waouh, la pixel tagne. Ça y est, je me sens chez moi là. Voilà, c'était violet comme ça avant. J'aimais bien la couleur des violets comme ça. Merde, j'ai dépensé du plastique que j'avais pas encore. Oups. Il est dur ce jeu. Mais bon, je pense que, comparé à la Pixel Time d'avant le tremblement de terre, on a une société qui fonctionne pas trop mal. Ça vous donne peut-être une idée de comment ça fonctionnait avec la Pixel Time d'avant le tremblement de terre. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai faim, j'ai froid et j'ai envie de faire pipi. Qu'on fait pas pipi dans l'eau ici, hein. On fait pas pipi dans l'eau ici, hein. Attention. Et je vais essayer de bidouiller les histoires de me lancer des trucs dessus. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. C'était un super chouette stream. Des bisous!